élève d'école de 8 ans, qui est en troisième année fondamentale, qui est Rebecca Maïma Chilenchi, qui était enlevée par une demoiselle, qui est Laurent Schneider, qui a dit non, Sassou et Chichi. Maintenant que demoiselle ça, qui a 15 ans, elle est habituée avec parents et timon. Il a fait environ 4 mois la Kaïparanayo. Mais compte tenu du comportement que le gagné, il est obligé de quitter Kaïla pour la vivre de l'autre côté, car on dame qu'il est Jacqueline Joseph du côté de la Borde. Et cependant, aux environs de 2 heures hier, demoiselle Sate prend élève l'école là, devant l'école là, il était transporté de la Kaïli du côté de la Borde. Mais sans pour autant ne pas gagner dans Mali pour te révéler les parents pour te dire qu'avec lui. Il transporte l'air avec la bonne. Et côté l'air avec Yassine Kayon Pasteur, qui est Ilimbin, qui est cousin Schneider. Il est arrivé là, Kali. Bon, il ne va pas poser tellement de questions. Mais il était arrivé aux environs de 5 heures de l'après-midi par Antimonza, qui est Jefté Rebecca, avec maman qui est César Cynthia. Pas de jambes, il n'y a aucune information de lui. C'est par la suite, aux environs de 5 heures, je descends avec Antimonza dans une camionnette, Isuzu qui sortit la bonne. Je mettais les 4 chemins sur un taxi. Pour mener la caille par an. Et la police qui était informée de situation, SDPJ spécialement, qui menait des enquêtes pour être capable de joindre de quoi il en est. J'étais allé du côté de Charpentier, caille par an à Timounan, j'étais joindre Timounan avec parent lui, et j'étais transporté lui à la SDPJ pour des questions fondamentales, pour être capable de connaître exactement de quoi il en est. Et mais la grande question, il y a 3 autres monde, 4 autres monde qui participaient dans l'enlèvement comme complices. Gain premièrement une moto le taximène qui est le François Jean qui est une tonique je gagne 54 ans qui était arrêté du côté de Charpentier. Gain Darbouze Fransley 18 ans qui était arrêté d'Exia qui sont écolières qui participaient comme complices dans le cas d'enlèvement ça. Et vrai potentiel là c'est Laurent Schneider qui est un nom Sassou et Chichi qui lui même qui était prend élève là devant l'école lui qui est transporté la calée du côté de la Borde. Ensuite, il y a Jérôme Watson qui a 16 ans, son écolier également, qui a participé comme complice dans le dossier ça. Et Pasteur qui c'est Ilimbin, lui-même qui c'est cousin Schneider, il a cherché lui. Malheureusement, il n'est pas venu, M. Deguetan prend rac. Bon, en gros, Maïma, il est là, bel et bien présent avec parents parmi nous. Ça montre que Timounan est encore vivant, il est en état de santé concernant le cas qui est passé. Le thème enlèvement, c'est le même bagarre avec kidnapping. Les éléments sont là, ce n'est pas le élément matériel pour une infraction, élément matériel, élément légal, il est là. Ça veut dire que l'élément intentionnel. Et l'élément légal là, il est là. L'élément intentionnel là, il est là. Et ensuite, l'élément matériel là, il y a quoi là. Ça prouve que, en termes clairs, son enlèvement qui est fait, mais moi, il n'y a pas de rançon, pas de demande de rançon qui est faite. Pépé, est-ce que le monde qui a pris une fillette à l'école, est-ce que les pas qu'on habitué rendre parent demoiselle la service ça? Moi, j'ai dit ça déjà. Et demoiselle ça, il fait 4 mois à vivre avec parents, Timoun Sanakala. Demoiselle ça, c'est littéralement avec mon frère, papa Timoun. Ceci dit, son monde qui est habitué avec eux. D'autant plus, 1er janvier qui se passe là, demoiselle ça, c'est la caille parent de Timoun. Donc, c'est la grande famille, bébé. Bon, pas c'est la grande famille, mais simplement, il est habitué avec parent Timoun. Mais qui ça lui dit, ça s'ouvre comme explication? Comme on dit, nous expliquons ça. Il n'est pas avec Timoun depuis quelques temps. Elle passait devant l'école, Timoun a couru, il voulait saouler. Elle voulait saouler, il prend l'île, la caille avec. Comme on dit, nous. Ni mal fait, par contre, c'est manque de maturité. Il prend Timouna la calle avec lui, il va informer par un Timouna que Timouna a même. C'est ça que vous prétendez que son cas d'enlèvement. Mais qui ça Timouna dit, le traitement que lui-même il te recevoir dans le même monde ça. Et jusqu'à présent, Timouna n'a pas reçu un mauvais traitement. Tout simplement, il est habitué avec Damna. Damna a commencé à faire toilette lui, balayer, ramener sur lui, tout ça. Quand ça sous ça, ça sous, il est en garde à vue. On va les noms de plusieurs mondes impliqués dans ça. Oui. Pas nous plus de détails. Au niveau des prix. Mounsayo, c'est comme nous disons déjà, c'est François Jean qui est une tonique. C'est lui-même qui a été remettre Simon dans quatre chemins pour te mener le caïparan. Deuxième monde, c'est Darbouze Fransley qui a 18 ans, qui est lui-même tout son écolier, qui était dans la même machine qui a parlé Valère. Dans le programme avec Pasteur, il a été lié du côté de Valère à Tobé. Ensuite, il y a Laurent Schneider, qui est même qui est potentiel auteur dans Baïla. Il a été lié également du côté de Valère, dans le même côté avec. D'Abouz Fransley. Il y a Jérôme Watson, lui-même qui sont écoliers et tout, qui c'est petite Jacqueline, côté
Schneider de la Kali, il a arrêté légalement. C'est-à-dire que ces deux gens ont une implication comme complicité dans le cadre d'enlèvement. Pépé, est-ce que si vous êtes habitué à passer une journée avec ça sous ça dans la zone que vous sortez? Non. D'après ça, par en fait. Non, non. Il n'est pas habitué à passer une journée. Qui est l'acteur de Mounsa? SCPJ, comment c'est dans l'air? Vous parlez de l'enlèvement, est-ce que vous avez un appel téléphonique qui placé ou encore des rançons qui demandent? Non, moi je dis ça déjà, pas de rançon, son enlèvement, même moyen, pas de demande de rançon qui demande. Est-ce que c'est nous-mêmes qui qualifions d'enlèvement, Pépé? Bon, en réalité. Il y a des gens qui disent, c'est là, les gens qui nous prennent l'autre. Non, mais du fait que vous pratiquez dans sa vie. Du fait que vous pratiquez dans sans consentement, ni Timon, ni parents. Nous voulons profiter pendant la conférence de presse là tout pour nous tous sensibiliser parents. Pour nous tous sensibiliser parents, pour que parents de nos jours fassent preuve de beaucoup de prudence. Et nous voulons profiter de mouvement ça tout pour nous faire un appel tout à direction l'école. Le problème qui pose c'est que et avec criminalité qui est en train d'augmenter un peu partout dans le pays, il est préférable parents sur leur travail ou bien sur le temps libre, au lieu que vous confiez un taxi, peut-être, préférez que vous même allez personnellement à chercher petit. Et nous demandons tout direction l'école tout, pour que vous même prenez des dispositions, les que si vous n'avez pas livré, si vous n'avez pas quelque monde. Livrer tout le monde à parents ou bien parents a dit mais qui est-ce qui confie pour prendre tout le monde pour lui remettre tout le monde directement. Donc, immédiatement que nous finissons par parler avec parents, puis après vous venez les nous, vous faites comprendre que vous venez avec tout le monde est venu avec un taxi. Donc, immédiatement, ça a été encore interpellé nous pour que nous cherchions qu'on ait exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est comme ça que un patrouille de police a été fait intervention, il a récupéré. Et chauffeur taxi a bon peut-être lui-même et degré il pas vraiment bon degré d'implication dans bagarre faut nous clair sur ça nèg c'est taxi l'a fait yon moun relé li campé mais sauf que monsieur tout il fait pas de négligence à un certain heure va arriver dans 9h du soir ou un moun campé on lui dit lui gros font petit moun qui avec uniforme l'école sur lui faut que ça attire attention pour dire ah là ça va normal. Est-ce que vous avez bon, peut-être qu'il a vu la chercher, et pas ça qui est pour mes soucis. Pour mes soucis, c'est rentrer petit cobla pour la fonctionner avec famille. Donc, monsieur laisse tomber dans le piège là, il prend Timouna et il mène Timouna exactement comme les parents. Donc, nous n'avons rien à reprocher de monsieur pour ne pas dire que lui est mauvaise foi. C'est exactement là que les parents. Mais nous connaissons que. Les gens de classe arrivent, les que mon ami n'est pas avec Timouna, parents qui affolé, parents qui attendent Timouna, donc certainement lui-même, émotion fait que lui agit de manière brutale. Et ça fait rapidement la police qui est apparue pour empêcher que le chauffeur taxi ait allé chez eux et ait fait un bagage qui n'est pas normal. Je pense que, et j'en dis à panique. Le fait que l'information est publiée sur les réseaux sociaux, ça est capable de poser que vous peur. Donc, plan que vous avez gagné, vous avez vu que vous avez dévié. Je pense que c'est parce que vous avez plan de dévié qu'on est là, ils font l'autre moyen. Et pour débarrasser de cas, parce que si vous avez commencé à venir chaud dans le monde. Population toujours commence à manifestation normale. Vous toujours continuer la manifestation normale. Mais vous l'écrivez peut-être, et pas qu'on est. Si c'est d'autres mondes qui t'a infiltré manifestant, si c'est d'autres mondes qui ont l'autre objectif, qui n'est pas objectif manifestant, parce que quand les gens qui viennent à la manifestation, ils regardent, ils marrent tête, ils barrent figure, ils regardent un mouton, ils ont action besoin faire pour que les gens de la population va identifier. Pas même la police, non, les gens de la population va identifier, c'est ça qu'il ne faut pas le voir, leur arrivée sous carré marché à Sibou et Roche. C'est même gens tout. Deuxième manifestation, par exemple, que la police crasée, est-ce que la manifestation a été pacifique complètement? Où est-ce que les soldats manifestent dans la manifestation? Ils ont fait tentative pour y aller vers le parquet. À qui objectif pour aller vers le parquet? Nous ne connaissons pas. La police bloquée. Et tout de suite, qui ça a fait? Ils ont mis du feu dans la machine service de l'État. Vous comprenez? Bah, on ne connaissons. Et si nous pas rapporté ça, vous comprenez? Ils ont mis du feu dans la machine service de l'État. Est-ce que la police va quitter ou mettre du feu complètement machine dans la calcine? Là, la police est obligée de réagir. Et nous féliciter, nous prenons temps pour nous féliciter les policiers. Qui était eux-mêmes en colère, ils me disent
directeur, relais pompiers pour nous, nous disons policiers, nous ne pouvons pas répondre relais pompiers là. Rapidement, c'est ça pour nous faire, c'est jouer la population qui est dans la zone, pour nous éteindre du feu. Ce qui a été fait, on va regarder pour nous éteindre du feu, la machine n'a pas calciné complètement, le moteur n'a pas affecté, c'est seulement dans la machine. Résumé de tout ça, nous faisons là. Est-ce que les manifestants ont été vraiment pacifiques? Dernière manifestation que tu as fait, réunion sur la place d'armes, ils descendent dans la voie toujours pour nous faire, là, ils montent qui ça a fait, dans la rue Fougère, c'est tirer roche, râler très tout machin qui est dans la rue, râler bourrette pour barrer la rue. Est-ce que la rue est toujours pacifique? Là, qu'on y a, c'est qu'on est qui ça. C'est mon dazi défini qui ça pacifique là. Dès que mon a barré la rue, mon a crasé très tout machin qui paye encore pour le faire, la police obligée à réagir. Elle réagit, le tout, le courir, la police seulement, les mêmes encore à main par eux, retirer très tôt, retirer roche, retirer cabot qui était dans l'arrière, sans que pas besoin d'assistance. La mairie pour d'avoir fait ça. C'est pour me dire que, en pile fois, manifestants, ils ont commencé manifestation pacifiquement, mais les ont fini, ils ont l'autre objectif. Peut-être, les gens qui ont manifesté, ils ont quitté la manifestation, et c'est d'autres groupes de gens qui continuent dans la rue. De ce fait, la police toujours prend toute patience pour que les temps que ils ont fait réaction, ça a fait, et ils ont des sommations pour dire que là, qu'on y a son autre bagage qui a fait, c'est pas manifestation, et puis, la police prend disposition dans son sac. Bon, là nous dit tout le monde qui est dans la rue, ou qu'on est tout le monde qui est dans la rue, pas qu'à policier, il y a une population qui est dans la rue. Hein? On parle de tout le monde qui a ZAM, qui a mouillé. Tout le monde qui a ZAM. Oui. Tout le monde qui a ZAM, ou quoi le connaît que normalement, sécurité publique, il y a une partie que la police, c'est lui qui fait lui, et la police qui est sous contrôle lui, unité départementale de maintien de l'ordre et policier administratif. Dans ce sens, la police toujours gagne contrôle de l'effectif policier qui est sous contrôle. Dans le cas de sécurité publique, il y a l'autre bagage qui est arrivé que la police lui-même, avec responsable de sécurité publique, il parle avec eux pour que disposition prenne, pour que contrôle là où en termes de monde qui gagne des armes, que c'est la police qui gagne. Selon l'autre monde qui fait partie de sécurité publique, la police, direction départementale, là, est avisé. Responsable de sécurité publique, responsable de police municipale ou bien mairie, pour que nous disions, si vous avez des gens qui là, qui sont armés, que les gens ont été dans la limite du bâtiment. Et pour la police lui-même, c'est lui qui est dans la rue, qui a fait travail de maintien d'ordre, travail de réprimer des actions criminelles ou bien réprimer les infractions. Leur parler de agents municipaux dans la rue à la police, peut-être son information à Banou, mais nous-mêmes, nous sortons unité nous dans la rue, nous connaissons nous sortons unité de maintien d'ordre qui dans la rue. Si la police municipale est dans le positionnement, je vous garantis que automatiquement nous sommes informés, ou bien nous sommes informés, nous relais responsables de mairie pour nous dire que la police municipale a supposé un espace de sécurisation de bâtiments qui est disponible. Peut-être son information pour moi qu'on y a là. Peut-être son information pour moi qu'on y a capable de coïncidence, mais l'autre dit avec la police, ça veut dire que tu as la machine de la police, ou bien tu es sous côté de la police, ou bien tu es dans le positionnement. Je remercie pour l'information ça pour moi. Et je t'ai été à disposition ça de tout déjà, pour nous contacter les personnes qui sont responsables pour que ces messieurs. Si vous êtes dans la rue, c'est la police qui est dans la rue pour que ça va répéter. Et si vous n'avez pas un uniforme, si vous n'avez pas un uniforme policier administratif, si vous n'avez pas un uniforme de médecin d'ordre sous lui, les gens ne font pas partie de la police. Et moi-même, capable de dire, lorsque vous parlez de groupe Mounsayo, nous définir, nous avons des policiers qui définissent que Mounsayo fait partie de la sécurité publique. Vous avez un écart que vous commettez. Le bon écart que vous commettez, nous relayons les gens qui sont responsables pour que nous disions que nous ne pouvons pas tolérer comme ça, que la rue c'est pour la police liée. C'est la police qui a le droit de gens qui ont des armes là-dedans. C'est l'autre monde qui fait partie de la sécurité publique, qui est capable d'une entité qui l'a pour porter support à la sécurité dans le pays. Mais vous pouvez utiliser la sécurité publique, les gens qui ont fait sur des routes pour conseiller les gens, pour réduire la vitesse. Et après, on peut voir les gens des manifestations qui ont fait au niveau de plagio. Nous avons vu que d'autres gens qui ont utilisé. Mais dans le cas de nous, même la police, nous n'avons pas demandé pour utiliser personne. Et quand ça a constaté, et quand ça a
réprimer par rapport avec contact que nous avons avec responsable. Vous avez dit prochaine fois, c'est seulement la police qui prend la rue. Et là, c'est la police qui est toujours prête pour prendre la rue. Si vous avez un contact passé, nous nous disons encore, la police est en train de réagir et de demander pour que M. Sao rete dans la zone de fonctionnement de bureau pour sécuriser. Il y a un peu de monde qui plaint de DDS et surtout des monde qui ont des motocyclettes qui sont sous galerie la caillou. Et il y a un peu de monde qui plaint, ils ont dit que la police crase les motocyclettes. Et en plus, le même membre des journalistes constatent qu'il y a un peu de motocyclettes qui crasent. Et ils dit que c'est des policiers avec mato en main qui descendent ou qui crasent les motocyclettes. Ça, vous avez compris qui ça? Et normalement, service SDPJ en là pour recevoir plainte de cas qui passent. Et il y a plusieurs plaintes là. On va réviser, mais samedi, je n'ai plus jeune des vols de motocyclettes, des abus de confiance, de vols à effraction. On ne pas joindre cas ça qui vient. Et comme je dis, dans la formation que je gagne, et à Washington, nous avons dit que les membres de la presse, ils sont toujours là comme un partenaire qui pour aider nous à corriger un écart. Et nous allons garder ça. Si un écart comme ça qui est passé, nous allons seulement rapidement corriger l'écart.